la copie exacte du premier épisode de la première saison. Allez beau dimanche, c'est un modèle 75, c'est celle-là. Voilà. Mais elle n'a pas tourné, attention, elle n'a pas tourné. Oui, 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 voilà. J'imagine. Mais je vais vous donner un détail. Le pilote, rétroviseur chromé, baguette à l'arrière, sans caoutchouc noir en pare-choc. Mais attendez, moi là-dessus, personne ne me bat. Hein. 1er janvier 75, enfin, la saison 75, caoutchouc noir. Bon, la plaque d'immatriculation de la série et rétroviseur rouge. Voilà. Ils ont changé et ils ont retiré les baguettes. Voilà. Et je vais vous dire, il y a eu 8 voitures. Ils n'en ont cassé que 6 dans l'ensemble des 4 saisons. Les deux qui restaient, c'est un europropriétaire américain qui l'a acheté, signé par les acteurs, dédicacé par les acteurs. Et l'autre, il est à un musée à Miami. Voilà. Les dates de diffusion, 78-82 pour la France. TF1. Et pour les États-Unis, 75-79. La chaîne américaine. Voilà. Chaîne américaine, ABC. ABC. Voilà. Oui. Ensuite, c'était... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Alors, il y a eu, en 1976, Ford, suite à la série, a fait 1000 exemplaires de la Gran Torino. Et sur les cartes grises, il y a eu marqué Gran Torino Starsky Hutch. C'est-à-dire qu'ils ont fait une série limitée de 1000 exemplaires. Avec les bandes zébra blanches, le liseré noir, qui fait 5 mm. Et ça rappelle la virgule de Nike. Ah, d'accord. Il y avait un sponsor derrière. Voilà. Et la couleur rouge, bien évidemment. Voilà. Mais alors, Paul Michael Glaser n'aimait pas ce véhicule. Il voulait une Chevrolet Camaro. Mais seulement, la production a refusé parce que Ford donnait les véhicules gratuits. Voilà. Oui, ça explique tout. Voilà, évidemment. Évidemment, c'est génial. Mais moi, je suis une encyclopédie là-dessus. Hein. Ah oui, mais attendez, j'essaie de vous coller. Attendez. Alors dites-moi, attendez. L'épisode, il y a un épisode, vous avez vu tous les épisodes. Oui. L'épisode de Voodoo, vous vous rappelez? Oui, c'était avec, il y avait des poupées. Ils piquaient justement Starsky et Hutch. Après, c'est... Il y a eu quand même des épisodes assez chelous. Il y avait même une histoire de vampire. Il y avait une histoire de vampire aussi avec John Saxon qui jouait le vampire. John Saxon. Voilà. Et il y a eu aussi... Bon, il y en a eu plein des épisodes. Oui. Enfin, voilà. Il y a eu des guests qui ont... Alors, les épisodes que j'ai moins aimés, c'était quand il y a ni Hutch ni Starsky. Il y avait Huggy. Oui, il lui avait filé une enquête. Oui. Je suis avec le monsieur, vous attendez. Oui, il n'y a pas de soucis. Moi, j'ai dit 3 ans, moi, j'étais là pour vous, mais vraiment. Je ne pourrais pas trop rester, voilà. D'accord, c'est pour ça. Moi, écoutez, vous me prenez juste en photo. Vous prenez en photo après. Oui, je vais vous montrer en photo tout de suite, comme ça, on en passe, d'accord.